Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, je mènerai à sa perte la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. Où est-il le sage? Où est-il le scribe? Où est-il le raisonneur d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle, puisque, en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. 1 Corinthiens 1, 18-21. Fais-nous voir ton amour, Seigneur. Donne-nous ton salut. Nous avons reçu de Saint André et des apôtres un héritage spirituel. Nous te rendons grâce, Dieu, notre Père, pour les biens que tu nous as donnés. Loué sois-tu, Seigneur. Tu es le corps que nous formons. Loué sois-tu pour la parole que tes apôtres nous ont fait connaître. Elle est notre lumière, notre joie. Loué sois-tu pour le baptême et la pénitence qu'ils nous ont annoncé dans la foi. C'est là que nous sommes pardonnés. Loué sois-tu pour la fraction du pain que tu as instituée, qu'ils nous ont transmis. Elle est notre force, notre vie. Fais que nous ayons la vie en comprenant à notre tour, tels les apôtres, que Jésus-Christ est Seigneur.